Blooper Team. Yo, Pneumonie. Donc, ce sont ceux qui ont fait Layers of Fear, entre autres. Ah, je crois qu'il y a du flash, attention. Les épileptiques, vous pouvez partir maintenant. Bah, t'arrives au bon moment, Pneumonie. On va regarder un petit peu la config. J'ai à peine regardé, hein. Je vais juste placer mon clavier en requin. Et ça va bien se passer. Est-ce qu'on voit bien l'image? Nice. It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. But part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Yes! Super! Eh, elle ressemble vraiment au perso de Siberia, sans déconner. Dans le style, en fait. Comment elle s'appelle? C'est Anne Walker, ou je sais plus comment elle s'appelle? Qui avait en français la voix de Lara Croft.
trop défiguré que moi. Oh, pour l'instant, il n'y a que Izumi qui a émis un doute sur la qualité de sa tête. Hein. Ah, quoi? Attendez. Oh. 99, d'accord. Alors, comme j'ai demandé aucune aide, vous allez voir, je vais rien pouvoir faire. Ah, d'accord, donc ça c'est validé. Attends. Non, c'est ça. Ça pour revenir. Et ça pour revenir. Ok. Comment je suis entré dans ce mode là? C'est très particulier. Hein. Ok, d'accord. Là, et après, il y a le bug de l'an 2000, Izumi. C'est pour ça. D'accord, donc c'est clic gauche pour interagir avec l'univers. Regardez par la fenêtre. Non, ça va. Pas fumer une camelle. Ouais, donc on aurait dit un pays typé européen. Donc ça pourrait être la Russie, hein, côté Europe. Ah, attendez. Je vais remettre les tools, hein, parce que bon, le jeu, il allait pas me prendre par la main. Hein. J'avais peur qu'il me prenne par la main, donc du coup, j'ai enlevé toutes les interactions. Minimum. Le HUD, on s'en fout. Ah, c'était le mode vision. Le insight. Ouais, ok, d'accord. Et pas un autre truc. Non, apparemment, c'était ça. Ah oui, c'est assez... D'accord, c'est assez... Ça reste assez discret. Ah bah moi je mets rien en général au début pour voir, je teste un peu le jeu, je vois ce qui se passe, et si c'est impossible de comprendre les interactions et tout ça, bah tu te mets direct après en mode... Parce que là tu voyais, là je serais resté longtemps dans cette salle pour essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres interactions. Shit. Fucking yeah. Cat. Nice to see you too. C'est pas chez elle, elle s'est introduite en... Jack's room. Ah. It's like he never. Damn it. Quoi, il est mort, Jack? On peut pas péter le cat? Non. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Je te mets la pression, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Ah, oh, ça va, il est gentil, le chat. Il m'a fait une fois dessus. C'est un gentil chat. Jack was part of the solidarity movement. C'est Poutine. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. En fait, salut Ignomines, hein. Je t'ai pas dit bonjour. J'étais, j'avais laissé un trou. Qu'est-ce que c'est que ça? Come on, Jack. Where'd you put it? Une médaille? Okay. Let's do this the other way. Ah, est-ce qu'on est en train de... Hein? Attendez. Faut que je ressorte avant. C'est une médium. Ouais, bah de toute façon, on s'est dit que c'est une médium, donc... Genre, elle a sorti son pouvoir de médium. Et ouais. Une épingle. À cravate. D'accord. Pince à cravate. Ouais, c'est des pros du photoréalisme. Donc, Ok, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Merci pour le host.
Le son, ça va pour le jeu. Par contre, il y a des changements de caméra, ça va être chaud. Oh, ça va quand même, sa chambre, tranquille. Donc on sait pas si elle a été adoptée, c'est son père, c'est son mentor. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. C'est ça, elle a été adoptée. Coming back to play, to take care of them, to listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. C'est elle la dégueulasse derrière. Matthew was the first one I helped pass on. À mourir? Ah, genre à rejoindre. À rejoindre un autre. Une autre dimension, quoi. Il était peut-être bleu, il était peut-être mort d'une manière atroce. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Comportement inapproprié. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Second degree thermal burn covering 45% du total de son corps. Elle s'appelle Myriam. 3 ans. Waouh. Elle était censée être morte, quoi. Ah la vache. Si c'est elle, Myriam. Alors, pas de reflet dans le miroir. Ah, c'est un effet dégueulasse. Bon, je suis obligé de retirer un point. Hein. 19 sur 20. Pas de reflet dans le miroir, on est en vampire. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Ça sent le... l'attaque des papillons. À mon avis, il y aura des... des références à ces papillons. Bah alors on peut parier sur le pays, est-ce qu'on est en Angleterre? Ça peut expliquer sa tête, l'accident de brûlure. Oui. Elle était très jeune, hein. C'est un truc de fou. Quoi? Clé de funérarium. Je... ah, je peux nourrir le chat, genre. Looks nourishing. Koshi. La Kochi. Bon, bah, vous savez quoi? C'est peut-être en Russie, finalement. Non, je pense pas que ce soit le plus lourd. On n'est pas encore passé entre les deux mondes. Je pense que là par contre, ça va craquer le stream, quoi. Au niveau des effets. On verra bien. Là, on est en 60. What's your face? Allez, vas-y, mange. Glad to see you're still kicking. Et paf! Coup du lapin, là. Je t'ai bien niqué, le chat. Premier trophée. Ah, on peut arrêter le jour, on a nourri le chat. Ah, Pologne? PL. C'est la Pologne. Symbolique funérail pour la mine de Sierdza. Ok. Je sais pas si c'est un rapport avec avec notre mécène. I can't believe it's all still here. Oh, Jack. En tout cas, elle l'aimait beaucoup. Oh là là, me demande pas de préparer les trucs. Ah, ça commence. Éliminer la photo pendant 5 secondes. 2 multigrade pour 3 secondes. Une tub pour 3 secondes, une fixeur pour 3 secondes. Il y a une photo en particulier? Oh. I guess I forgot about this one. I can do it now. Ça m'apprend les trucs de base. Donc l'Illuminati, je pense que c'est le premier. Non, c'est pas ça. C'est ça?
Si tu me les mets pas dans le bon ordre, je sais pas comment je vais deviner. Ah non, ça va être là en fait, tout simplement. Ouais. 5 secondes, hein. 2, 3, 4, 5. Photo illuminée. Ok. Alors après, je le mets là-dedans. Parce que logiquement, il les a mis dans l'ordre. Too soon. It needs to stay in longer. Ah, excuse-moi, je suis un petit peu nerveux. 2, 3. Multigrade. Ok. Ah, ça a l'air d'être un autoportrait. C'est marrant parce que c'est semi-automatisé, vous voyez, je suis dans une position où je peux pas bouger vraiment. C'est la dernière photo que j'ai prise de toi, Jack. Shit. J'ai pas de trophée pour ça? Eh, j'ai quand même fait. Qui peut se targuer d'avoir fait une photo à l'ancienne? Il y a un petit côté aussi, vous voyez, là, un peu. Claire Redfield là de dos là comme ça. Avec le blouson et tout. Bon c'est pas le bon blouson mais. L'agent 47. Ah oui il fait des photos. Ok, je pense qu'on a vu à peu près ce qu'on pouvait voir. On va ressortir. Attends, il y a. La salle de bain. 1984. J'avoue. Tu veux faire des cauchemars, c'est un bon bouquin. Je voudrais bien un truc comme ça là pour Bébé Noir, vous voyez. Parce que des fois je prends un bouquin dans le bain, oui, mais c'est un peu. Bon. Faut faire gaffe quoi. C'est bien pour pouvoir poser. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that. I may never have learned to use my powers. Ah. Mais elle était au courant qu'elle avait un pouvoir. Parce que maintenant je peux pète les pigeons. Le fléau des grandes villes européennes, les pigeons. Donc en fait, il s'occupait plutôt d'un funérailles royaume en fait. Et il va y être incinéré, je suppose, s'il est mort. Ça, ce serait la blague. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. The last goodbye. Ah. Ok. Eh, c'est quand même balèze. Hein. J'ai quand même fouillé avant. S'il y avait un truc dans le couloir. Yeah. Who doesn't? Get out. Oui, tout. Non, c'est un funérarium. Apparemment, on peut dire notre père adoptif, qui tenait un funérail, est mort. Et du coup, il va être incinéré dans son propre funérarium. Ah oui, putain, c'est la classe. Ah, carrément, avec l'arbre de la vie, genre. T'as le mec qui a ça dans son bureau.
Merci pour le host. Ah, c'est chiant, je vois pas qui c'est qui host en fait à chaque fois. Dénoncez-vous. C'est Delphinia. It's your host. I can see the host on my phone. C'est joli, hein, franchement. C'est très joli. Il fait un gros travail sur l'ambiance. Les caméras aussi. Ah, attends, avant d'y aller, on va fouiller un petit peu. Ah merde, je viens de là. Ok, d'accord. Je me suis fait avoir par la caméra. D'accord, je viens de là. Il y a rien d'autre par ici? Non, ok. Ouais, c'est parti. C'est marrant parce que c'est un de leurs premiers jeux finalement à la troisième personne. Hein. Costaud quoi. Not sure if I'm ready for this. En plus c'est nous qui nous occupons de le brûler. Hey Jack. Hey Jack. Enfin, Delphinia apparently we will burn our father. There is no problem. Ouais, si, vas-y. Pourquoi tu veux pas? Ah, faut la cravate, c'est ça? I got your special clip. Ah ben là. La cravate. Ouais, tu peux, ouais. Non, enfin, tu peux. Habillé dans la marque, ça sert à rien, mais ils l'ont préparé, en fait. Ah, associé. Ah. Ok. Il y a quelques trucs. C'est assez étonnant ce qu'on peut mettre dedans, même pour envoyer le corps, en fait. Il y a des trucs que tu dois pas mettre, mais il y a des trucs que tu peux mettre. Je n'ai pas attendu que ce soit facile. I guess I didn't know what to expect. When things get personal. Je crois qu'on te retire les pacemakers et tout ça. Just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? You people read. The sign says it's closed. Bonjour.
the hell? Guess you felt it too, huh? And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. All right? All right, Jack. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas.
I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Surtout, ne donne aucun indice pour te retrouver. Bon alors, Thomas. Thomas. Regardez le... Les pages... Des pages blanches. Oh, 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 oh. Il y a eu un freeze. J'ai chié dans mon bénouze là. Ah, c'est sympa les vidéos là. Je pense pas qu'il soit suicidé son père. J'ai l'impression qu'il avait une opération. Sûrement que ça avait un rapport avec le cerveau, avec sa tête. Et que ça s'est mal passé, il est mort. C'est cool ces images d'archives. On l'a vu alors, du coup on l'a vu quand elle a tourné son visage, tout son côté gauche il est brûlé. J'aime bien parce que... Ça me fait penser, vous savez, au visage qu'il faisait dans Silent Hill 3 ou Silent Hill 4. C'est-à-dire que les personnages sont pas forcément bons. Ils ont des défauts au niveau du visage, ils ont des impuretés. Des gens normaux, en fait. Comment on va le trouver, le Thomas ? En tout cas, il nous a trouvé. D'ailleurs, salut Lifefox, si je t'ai pas dit. Si je t'ai pas dit bonjour. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice, felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Ouais, le PC tourne bien. Ouais, entre les scènes de loading, ouais. Les petits loadings là, hop, ça. T'as une petite saccade de quelques secondes. Là, il n'y a pas de RTX. Hein. J'ai mis aucun effet particulier parce que de toute façon, le RTX il aurait. Oui, bon, de toute façon, on est au début du RTX, les gens, calmez-vous avec ça. Hein. On est au tout début. Et on n'en a pas besoin pour apprécier un jeu. Quand ce sera maîtrisé, quand ce sera maîtrisé et qu'on n'aura pas besoin de. Faudrait pas d'avoir besoin d'avoir de chars d'assaut pour faire tourner des gens RTX. C'est comme le début du HDR, vous voyez. HDR, on s'en battait les steaks et ils nous ont ajouté le HDR. Je me rappelle à l'époque, c'était, ça m'avait choqué sur PC, c'était Tomb Raider Legend. Il y avait une case HDR, je me suis dit, oh bah tiens, bah, on va tester. Je l'ai activé, ça a failli exploser mon PC quoi. Donc. Surtout que ça ajoute rien, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a rien, c'est nouveau, mais c'est un peu normal, hein, c'est un peu normal. Anyone home? On en est qu'au début, quoi. I guess not. Quelques années, ça sera maîtrisé. Bon baiser de Niwa. À Niwa. Joséphine Wozniak. C'est quoi? C'est un vieil hôpital, celui qu'on voyait?
En même temps, Pokémon, quoi. Ouais, ça bouffe les ressources pour rien pour l'instant. The front gate was locked up tight. I needed to find another way in. Il y a une carte là. Qu'est-ce qu'on en a besoin? Ah, c'est dommage. Attends, on sait au moins où on est? Niwa. Quoi? Recreation Facilities. Ah, c'est carrément un gros complexe, apparemment. Ah, la poubelle classique. Attends, je suis pas dessus, là. Faut la pousser. C'est bizarre. You want to keep me out, Neva? Ah, il y a des actions qui se font avec eux et des actions qui We're se font avec le pigou. D'accord. En fait, il y a des actions... Not c'est a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Ah. Until one day it just stopped. And so, an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed ah, on est sur les légendes urbaines polonaises. C'est pas cool, you ça know, the usual. Allez hop, petite randonnée. Ça, c'est cool, ça. Les Polonais prix Friat. Ah, merde. Ouais, t'as un village polonais de la Grimna, de Driezdania, dans la Powia de Polsk. De la Vionvodie de Mazovie. Putain! Oui, 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 vous inquiétez pas. Le RTX, on prend rendez-vous dans 2 ans. Y a pas de souci. Vous prenez pas trop la tête sur ça. Hein. Ça va pas changer votre vie. Hein. Très joli. Hein. Attends, y a une mine là? Y a une mine à droite là? Non. C'est une mine, ça? J'ai envie de marcher dessus. C'est une mine anti-char, ça? C'est Ygrenshad. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru vraiment que j'allais me la prendre, la mine. Il y a une petite explosion de près, là. Ah. Ah. Ah, si elle commence à voir des trucs dans la réalité alors qu'ils sont dans un autre monde. Ah. Hello. Attends, elle est partie de quel côté? J'arrive pas bien à voir. Elle est partie de l'autre côté. Donc je vais aller par là. Salut, Mad. Ah, ça va te rappeler le... les joueurs FMV là. Ouais, bah d'ailleurs, ça, ça pourrait ressembler à Kung Kaga. Hein. Les jeux d'aventure. Ils ont pas parlé dans le film Stalker hein, d'ailleurs. Je sais qu'il va y avoir une suite, mais. Enfin, un second. No wonder history keeps biting us in the ass. Il y a eu des biens. 39-45. Pour les filles et les enfants de ce pays. Enfin, de cet endroit, quoi. Qu'il reste. Enfin, qu'il repose en paix, en fait. D'accord, c'est pour leur mémoire des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, ouais, les canettes et les trucs dégueulasses là, les bouteilles de vodka, c'était indispensable. Je charge ma game et je le finis vite fait. De quoi?
Ah, Yakun Kaga, super jeu. Mais je savais qu'il était bien. Hein. Mais c'est vrai qu'avec le système que Mad utilise là pour traduire directement les sous-titres, c'est vachement intéressant à faire du coup. Parce que le problème, c'est la barrière de la langue. Hein. C'est des super jeux, mais t'as une grosse barrière. C'est la langue. Et vu que t'en as besoin pour avancer dans l'histoire, t'es un petit peu dans la merde. Ah, donc j'ai un espèce de rayon de médium autour de moi. Ça dépend des jeux. Il y avait une belle fleur là, non? Ou c'est un déchet? Bonsoir jeune cut, comment ça va? Salut Ninja! C'est le début, oui. On est au début. What's this? T plus K. 1968. Mm-hmm. Tu as trop peur pour toi? Oh. Pour l'instant, tout se passe bien. On accompagne les gens dans la mort. Il y a un truc ici? Ah, c'est une main, genre. Poser sa main sur le... Là. Ouais. En plus, jeudi soir, il va se passer des choses. C'est pourtant bien plus fort que Loul. Ça tente des techniques psychologiques. Huh. Looks like an old fort. Might be my way in. Elle a pas peur, hein? Elle fait de l'urbex toute seule comme ça là. Alors qu'apparemment il y a eu plein de morts ici. Il va y avoir quelque chose jeudi soir, voilà. Il y aura un stream de qualité jeudi soir. Prochain. Ceux qui sont curieux, ils viendront. Sympa, on peut se promener et tout, non? Ce teasing. C'est... Ah, c'est un peu plus que le bois de Boulogne. Hein. Il y a des... Ils font de l'archéologie? What? Oula... J'aime pas trop ça. Ça s'effondrait sur nous. Something happened here. C'est la forêt de Boulogne, c'est ça. Non mais c'est un gros territoire, ouais. C'est un gros complexe gouvernemental. The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. C'est marrant parce que c'est le côté où elle s'est brûlée. On voit sa veste qui est un peu déchirée, bizarre là. C'est du côté où elle est brûlée. Bon alors vous regardez à gauche et moi je regarde à droite, ok? Ça va? Attends, je vais payer tout de suite. Il y a un truc là.
D'ailleurs, attends, je peux pas aller plus loin que ça, non? D'accord, les deux, ok. J'ai dit le mot. J'ai eu mon rendez-vous chez le docteur. Eh hey. Hey, pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est un cancer contre... Contre un stream de Yuichi. Il va pas lutter. Le cancer, il meurt direct. Il retourne d'où il vient. Dead. Like everything else in this place. Enfin, trouver le moyen donc de... D'ouvrir cette grille, c'est ça? Je sais pas si on peut le casser. Ça a l'air très héros-like, tu sais, couloir. Après, sûrement qu'il y a des. On peut rentrer dans la 3D quoi. Ah merde, attends, je suis bloqué. Attends, mais je suis bloqué. Dans la vraie vie, je suis bloqué. Et là, il y a un truc au sol. C'est clic droit maintenant, j'ai pas compris. Trouver Thomas, ouais non ça c'est les objectifs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi ça? Love le ballon. Non. Quelqu'un qui m'a dessiné. J'ai pas trop compris parce que des fois c'est clic gauche, des fois c'est clic droit, selon le contexte. Felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Du coup, j'ai énergie en moi, dans mon bras là. C'est ce que je voyais sur le dessin. Tu choisis. Tu choisis ton stream, à gauche ou à droite, ton ambiance. Alors, ce qui est marrant, c'est que, du coup, pour l'instant, les zones, bon, bien sûr, il y a des décors différents, mais les zones sont les mêmes. Est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir une zone où je vais plutôt devoir... avancer côté gauche ou avancer côté droit, chercher mes lunettes 3D. Oh, so that worked. Ah bon? Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, j'en ai encore un peu. They did come in handy sometimes. J'ai pas compris. Il y a trois touches pour interagir. Il y a trois touches pour interagir. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Et le temps il commence à se dégrader là. Merci pour la boue. J'ai mis ce clic. Ça m'a pas fait peur. T'as raté ou t'as réussi ton coup, je ne sais pas.
Ça me surprend encore quand même parce que je vu que j'en ai pas. J'en ai pas tous les 4 matins. Ouais. Ah! Cadavre. Oh. What happened to you? C'est chelou, on aurait dit qu'ici il a été craquelé. What? The Park, ça me parle ça. Il me parle ce jeu, je crois que j'ai déjà vu une vidéo dessus. Tu touches moins 10%. Ce qui veut dire que tu me dois de l'argent à chaque fois qu'il y a un abo. C'est le principe, Pneumonie. Il y a une arnaque, c'est genre. Attendez, il y a une arnaque. Qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, j'attends ton chèque. Faut payer la pension. Hein? Il y a deux chemins. Il y a quoi par là? Oh. C'est une tombe. What the hell? Ah, c'est le... C'est chelou ça hein, d'avoir mis ça. Espèce de singe avec les cymbales là, c'est casse-couille ce truc là. Je sais pas pourquoi ça existe. Vous allez voir, je vais m'éloigner, il va mettre un coup de cymbale pour mettre la pression. Hein? J'ai pas lu mon abonnement il y a 2 jours, sois patient. Alors je patiente, je patiente. Protagoniste qui se perd tout le temps à même. Je crois que le pire que j'ai eu c'était dernièrement c'était Lara Croft dans les derniers jeux. Ah ça me pétait les roubignoles bah, dès qu'on était au feu quoi. Tu avais commencé à parler genre oh je m'en veux, je sais pas quoi, je fais mais on s'en fout. T'as déjà tué 100 personnes, tu t'en veux de quoi? Abandonné, t'es Rambo. T'as déjà tué 150 000 personnes. On peut avoir des remords comme ça. Chaque fois. Oh! Houston, on a un problème. Ah, c'est bon. What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories. Emotions, and none of them good. T'es sûr que tu veux qu'on y aille, Julia Report? Je connais pas du tout. Ça me dit rien du tout. Dommage que le jeu soit pas doublé en russe, qu'il n'y ait pas des fantômes japonais tous les deux autres. Vivement le DLC. Faut aller voir Thomas. You Thomas. Thomas, es-tu planqué dans les forêts? Mais non. Vous parlez jamais tout seul. Genre jamais vous dites bon faut peut-être pas que j'aille là finalement. Peut-être faire demi-tour. Je pense que John il se le dit tout le temps quand il sort de chez lui. Quand il lance un jeu d'horreur là. Je suis streamer, je parle toujours tout seul. Ouais, je parle tout seul là. En fait, vous n'êtes pas là, hein. Vous êtes dans ma tête, en fait. En fait, vous êtes des produits de mon imagination. Je vous fais une révélation. Vous n'existez pas. Ah, regardez.
détective, c'est-à-dire. Je trouve juste un bouquin sur le spatial. Je reste sûrement utilisé la clé de la porte de mon porte-clé qui est dans ma poche pour rentrer chez moi. D'accord. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu, vous savez, le quand vous avez le média. Old-timer. Hein? Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Elle aime les voitures. Elle a l'air de trop aimer les voitures. Doubling is comme elle l'a dit. Bedroom, apparently. Uh-huh. Encore Joséphine. Et je peux pas. Ah si, on peut la lire. Je suis un idiot. Mon amour, en ce bel été, la station est pleine à craquer. Tu sais ce que ça veut dire. Plus de travail pour ton cher et tendre. Mais c'est du travail honnête. Monsieur Rekowick a dit qu'il veut me garder. Tu imagines? Pas question de me planter. Pas cette fois, c'est promis. F. Du coup, on avait raté le premier truc. Non? Coucou Doniwa. Tu te plairais beaucoup ici, mon amour. Une salle commune géniale pour les enfants et des cours de dessin gratuits. Il y a plein de familles et l'hôtel est gigantesque. C'est un hôtel. Je n'ai jamais rien vu de tel. Si seulement tu pouvais être avec moi ici, tu me manques. Le problème c'est que c'est un peu la limite en fait des autres œuvres à part les bouquins. C'est que dans les bouquins on peut beaucoup détailler la pensée des personnages à tous les instants, c'est moins gênant. Alors que dans des Shit. What the hell? Qui c'est qui a appuyé sur le klaxon? No one here. Bah oui, personne. Essayez de me pranker. Et pour l'instant, moi, ça va, c'est tranquille. Les petites conversations. Ah, il y avait une flèche en fait. Je viens de la voir. Il y avait des flèches. Je sais pas si c'était pour m'indiquer là où je devais aller. Et vous avez vu, c'est très discret, mais il y a des flèches. Ah, il y a une deuxième flèche bleue. Ah, pas sûr. Y a l'autre objet par là. C'est un repère visuel, vous avez vu. Ah, il y a une marelle. Parce que c'est les enfants en fait qui ont mis de la craie. On peut jouer à la marelle. I sent something. Pour l'instant, moi j'apprécie. En plus, c'est assez cool d'entendre la voix du personnage parce qu'il y a beaucoup de jeux où, vous savez, on n'entend pas la voix du personnage. Et regardez, je suis sur le ballon. Je crois qu'il y a un. C'est une pierre, regardez. Allez. Hop. Ah ah. Oh oh. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de magie? Genre se surélever, non? Life is cringe. Life is cringe, moi j'achète. Hein. Ça m'intéresse plus que Life is strange. Hein. Téléphone? Definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Ouais, c'est le voice acting, enfin le voice actor de. On a du voice actor de Lyra Zafir là.
C'est la deuxième fois qu'on voit le papillon. C'est-à-dire qu'on peut rentrer par là? Oh putain, comment elle a foncé le tournevis? Oh, putain. Ça marche dans la vraie vie, ça? Non, c'est pas là! Tournevis à strat. Ah. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. D'accord. Donc en fait, là, on va peut-être pouvoir utiliser justement le, ce qu'il y a dans la réserve. Hello? Anybody in there? Bah, Grenshot, c'est très rare, ça. Obviously. C'est très très rare. There's gotta be another way. Deadly Premonition, la double, le dédoublement de personnalité, etc. C'est très très rare dans le jeu vidéo. Tu contrôles quelqu'un qui est mentalement... Enfin, en tout cas, de justifier un dialogue avec un personnage imaginaire, c'est très très rare. C'est très rare parce que c'est très casse-gueule. So began the great dumpster heist of 1999. Bon, on va pousser la grosse poubelle, je pense. Ouais. C'est parti. Ça se laisse jouer, hein. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. 1899, c'est pas Silent Hill? Des rêves pop culture, wow. Ça me choque pas pour l'instant. Tu vois, il te coupe pas, ça serait très con. Hop, elle se plante, c'est écrit. Ouais, 89, SH. C'est un film de SF, John? On justifie que tout le monde a perdu la mémoire. Yo, Fouarose, comment ça va? On est au début, profite. Ah, j'ai parlé à une chaussure, attendez. Ça y est où le... Le point de contact, là, il est où? C'est pas dans la couture? Wouh! Attends, faut que je cherche avec ma vision. Ah! So it's true. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Super de ramener quelqu'un de sensible dans un endroit où tout le monde est mort. Dans d'atroces souffrances. Merci Thomas. Hein. N'hésitez pas à remercier Thomas dans le chat. Hello? On va avoir une révélation. Anyone? Après. On peut prendre des paris. Hein. Est-ce que Thomas est vivant? Est-ce que Thomas est vivant? Est-ce qu'on prend les paris? Par contre, dites-moi bien hein, si le son est trop fort aussi, n'hésitez pas, parce que moi je peux plus voir les... OBS là. Ou si c'est pas assez fort, n'hésitez pas. Moi je prends les paris, Thomas il est mort. C'est spécial ce truc là. On lance une prédiction sur Thomas. Bah ce sera peut-être à la fin du jeu, mais bon on peut rigoler. Est-ce que je peux le faire sans quitter? Non, je vais pas pouvoir. Ah, attendez, je vais essayer. Alors, est-ce que je peux quitter le jeu déjà? C'est la première prédiction. Ah, attendez, je vais mettre le... Hop, le gestionnaire de stream. Ouais, mais tu peux pas recréer une nouvelle, c'est ça que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera la prédiction du jeu.
Attendez. Waouh. Non, mais je vais le faire graphiquement. Alors, commencer une prédiction. Qu'est-ce que Thomas? Ah merde, je suis en QWERTY. Attendez. Qu'est-ce que Thomas? Ah, je peux pas mettre plus de... C'est réponse 1 ou réponse 2? On peut pas mettre réponse 3? Ah, c'est plutôt des questions fermées, en fait. C'est le garde du zoo dans Gabriel Knight 2. Ah oui, il s'appelle Thomas. C'est vrai. L'allemand, il s'appelle Thomas. Je m'appelle Thomas. Bon, on va dire un être humain. Un fantôme. J'aurais bien voulu mettre un troisième choix autre. Tout le monde aurait plongé dedans. De toute façon, je vais mettre 10 minutes. Non, 5 minutes. De toute façon, pff. C'est pas dans les 5 minutes qu'on va le savoir, je pense. Qu'est-ce que Thomas? Ça me rappelle une pub où le mec il dit « Je suis Thomas !» Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub nulle. Je sais pas, ça m'a marqué. Attends, je vais laisser le traîner et je regarderai après. Tu travailles avec un Thomas? Attendez, je peux plus ressortir. Je crois que j'ai fait... Ah oui, parce que je suis en QWERTY. Idioman. Je me suis remis en AZERTY. N'hésitez pas à voter. Enfin, à faire une prédiction. À votre avis, est-ce que Thomas, il est mort? Parce que c'est ça que ça veut dire, en gros. J'aurais peut-être dû dire ça comme ça, mais... Est-ce que Thomas, il est mort? Ça aurait été plus simple. Sinner Be Damned. C'est mon expérience de 200 jeux d'horreur qui me dit que Thomas il est peut-être mort. Il y a une chance sur deux. C'est un fantôme, 93%. Ils ont déjà vu la fin du jeu, putain. Ils trichent. Ça, c'est l'accueil de l'hôtel. C'est le baron? Le comte? Ah non, le baron, le meilleur. C'est le baron. Gabriel Knight. The safer place for the youngest. Je suis pas sûr. Par contre, c'est pas par ici qu'on va pouvoir monter, hein. C'est Niwa Restaurant, The People Taste. Ah, ça n'empêche, son assiette, elle avait l'air bien. Vivienne. Belles cartes de Niwa. Elles sont sympas leurs cartes. Hein. Mon amour, je sais que j'avais promis de passer te voir, mais devine quoi, j'ai eu une promotion. Eh oui, le nouveau chef d'équipe, c'est moi. Je crois que c'est l'occasion de tourner la page. Un nouveau départ, un nouveau foyer. Pour nous, je veux dire. Toi, moi, les enfants. Je sais que ça paraît dingue, mais réfléchis-y. À toi pour toujours. Bon, je crois qu'ils l'ont regretté. Par contre, ça fait pas la poussière souvent ici, là. C'est pire que chez moi, là. Y'a pas de gardien de zoo dans la prédiction. Non, on va dire sur le moment où on va le rencontrer. Est-ce que ce sera un fantôme ou un être humain? Putain, il va falloir que je précise. Il faut être plus précis. Ça, c'est une scène de Silent Hill. Hello? Du 2, pardon.
Mets ta main dans le grillage. Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Calm your ass down. J'aime bien cette expression. Calm your ass down. Pneumonie. Calm your ass down. Pose ce cul tout de suite. Non, c'est pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bon, je suis là. Seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh yeah, I used to have a lot of friends here. But they're all gone. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. Perdu ton portable. So, do you live here? All by yourself? C'est sûr que bon. Quand tu regardes l'écran du haut, t'es comme un con. En train de délirer dans ta tête. This place. Surtout on dit bon, je crois que tu vas rentrer, hein. T'es trop bourré. So busy. People. Yo, Crixon. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. They became very sad, very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Les Martial Beat là. Sur PS1. Faut qu'il upgrade son PC, abonnez-vous. Ouais, il y avait des chutes d'FPS pendant les cinématiques. In-game. Hey. An elevator.
Might as well see if it works. T'es sûr que tu veux le prendre l'élévateur? Alors, on va admirer un petit peu le décor du dessous. Hein. Alors, ce qui aurait été cool, vous savez c'est quoi? Ça aurait été une touche pour, vous savez, soit passer... je sais pas si ça existe dans le jeu. Je vais peut-être regarder. Une touche pour, par exemple, dire je veux que la partie haute ou que la partie, basse. Vous voyez? Oh, bah, je leur en veux pas trop hein, si le jeu il tourne mal. Tant que c'est jouable, que c'est pas la galère. C'est bon, hein, on a joué au jeu de From Software, hein, on sait c'est quoi la galère, hein, la vraie. Tous ceux qui ont joué sur console au jeu de From Software savent de quoi je veux parler. Les gars de la galère, quoi. Fait mal au frame, ouais. Je vais regarder, attendez. Je vais regarder quand même, hein, parce que peut-être que je dis quelque chose, mais qui existe. Hein. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas un petit truc... furtivité. Sortir. Hors corps. Sortir du corps, what? Retenir son souffle. Le truc, c'est que ça peut te spoiler. Ouais, c'est grimper, voilà, c'est ça, j'appuie sur E pour grimper. Non, il n'y a pas l'air d'avoir... Ah, voilà, il y a deux... Ah, d'accord. Clic droit, c'est dans le monde spirituel, et clic gauche, c'est dans le monde matériel. Ah, je comprenais pas. Ok, je comprends maintenant. R, c'est pour lire. Ok. Bouclier spirituel. Oh, putain, il va y avoir du combat, les gens. Attention. Bon, on va prendre l'ascenseur. Hein. No choice. Ah oui, c'est là-haut, putain. J'avoue que c'est pas mal ça, le fait que. Comment on est. Clic gauche, clic droit. Ça, c'est intéressant. I wished I knew her real name. Oui, Izumi, c'est le premier jeu de France Software, Kingfield. Shit. En tout cas, officiellement. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Ah, faut que je passe là-dedans. F. Comment ça, F? Let go. Ah, bah voilà! Eh bah voilà, là on discute. Yes. Sympa. Il faut retrouver l'énergie. Fuse box. Need some energy to spark it up. Yes. Ah, sympa. Gotta move fast. Ah, c'est timé. Merde. Ok, vas-y, vas-y. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Je vois. Oh, mon corps il disparaît. Ok. Ouais. Ça me redonne de l'énergie ou pas? Non. Ok, Mary. Okay. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Compliqué. Ah, à part si je peux tirer à travers là. Non, je peux pas. Ah oui, mais je peux revenir. Ah bah oui, je suis bête. Je peux revenir et tout de suite je suis là. Ok. C'est pas mal ça. Il y a Lupin 3 débloqué dans Martial 8. Je savais pas qu'il y avait, mais... il y avait ça. Donc c'est un jeu de musique en fait finalement là.
On fait des arts martiaux, quoi. On peut descendre par là. Je sais pas pourquoi je voudrais sauter. C'est particulier, ça. Ah, je peux passer. Attends, elle veut sauter là-bas? Non. Non, elle va pas sauter. Je pense pas. Non, si, c'est pour regarder. Comment... Il compte pas les mauvais inputs. Tu peux bourrer les boutons, ça marche. C'est un peu con. Là, il y a rien, du coup, sur le bord d'escalier. Ah, mais il peut pas avancer. Attends, comment je vais faire? Attends. Attendez. Dans la réalité, moi je peux. Mais je peux pas virer mon corps astral là? Il y a un truc à faire. Attendez, à moins que. Elle a un passage ailleurs. Je repars là. Non? Elle a grimpé au pilier. What? Comment je la suis? Y'a un truc avec le panneau? Je mets ma main dedans? Non, faut aller au deuxième en fait. Je prends l'ascenseur, tout simplement. En fait, moi je me faisais chier, mais en fait, non, on va prendre l'ascenseur, je crois. Il vendit plus que médium, c'est-à-dire en nombre de ventes. Okay. Now where did she go? Okay, not getting through here. Y a un trou là-dedans? Regardez par le huton, par le Judas. Fuck! Holy shit! I didn't even know I could do that. Par contre, ça a claqué tout. Attends. C'est super perturbant de regarder deux. Attends, il va revenir là. De devoir regarder deux écrans en même temps en fait. Il
Ouais, donc ça pousse, donc c'est un tiers, deux tiers quand tu changes de corps. Sympa la gueule de la clé. Hein. C'est pas des chauves-souris, c'est des mythes en fait. Dégueulasse les mythes. En plus ça bouffe les vêtements. Oh. Ah, gross. Avec ce qu'il y a derrière. It looks like flesh. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il y a derrière. Is that skin? Peut-être pas y toucher. Je peux même pas revenir en arrière. On pourra avancer. Regarde s'il y a des détails. Non, je vais pas. Si, j'ai des lunettes 3D chez moi, mais je suis pas sûr que ça marche. Lunettes 3D du cinéma. Les lunettes que vous payez 1€ là. Des trucs à la con quoi. Yes, I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes, I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Ah, faut que je saute. Y a que ça comme chemin. J'ai pas de choix. Ah, j'ai pas de choix. Est-ce qu'elle peut? Non, elle peut pas. Ah, j'ai le choix. Ah non, c'est eux pour les cascades. Les blattes américaines, ouais. Vu que ça vole, ouais. Des grosses blattes. This room, it feels cold. Memories of grief, loneliness. Quoi? The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Et dans la réalité, je n'ai rien. Ah, faut que j'aille chercher des fleurs. C'est marrant. Faut que je complète en fait l'objet. Non, il va pas rage quit. Non. Pas de problème. Ah, plusieurs endroits où il y a de la peau, vous avez vu. Viens à moi, Ursula. Qu'est-ce que c'est que ce tag engagé là sur le mur. Je vais voir ce qu'il y avait d'autre. On vient de là.
Y'a un truc par ici? Oula. Petit plan de caméra. Hey. Ouais, j'ai un peu de mal à trouver l'angle. Oh, idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Y a, par contre, les trophées, ça tombe. Hein. Un test urinaire. Non, je sais pas. Ah bah, voilà, Ursula. Chère Ursula, vous vous demandez sans doute pourquoi je vous écris cette lettre au lieu de m'exprimer de vive voix. La raison, hélas, en est effroyablement simple. Je vous écris parce que je suis un lâche. Bon, il le dit. Parce que je n'ai pas eu le cran d'aller vous dire les yeux dans les yeux ce qui a lieu d'être. Parce que je défaille à la seule pensée de briser le cœur d'une personne aussi délicate, aussi frêle. Ursula, ma très chère Ursula, ces derniers mois m'ont comblé de joie. Savoir que vous êtes là pour moi, sentir notre amitié qui s'épanouit. Pourtant, nous ne pouvons aller plus loin que ça, l'amitié. Proche, pur, véritable, mais jamais plus. Comprenez bien qu'il ne m'a jamais été facile d'être si proche de quelqu'un. Ma vie et mes épreuves m'ont changé, blessé d'une façon que vous ne pourriez pas comprendre. Vous méritez une personne capable de vous donner de la tendresse, de partager les bonheurs et les malheurs de la vie. J'aimerais tant être cette personne, mais ce n'est pas le cas. Les mots sont impuissants à exprimer mes regrets, car je sais en mon fort intérieur que notre amitié s'arrêtera là. Puissiez-vous me pardonner, votre ami à jamais RT. Que c'est pas ça, foireau, c'est pas mal. Alors attendez, on peut sortir dans le couloir de l'autre côté, c'est ça? Mais c'est pas risqué. Ouais. D'accord. Donc si on veut continuer, de toute façon, on va devoir. Ah, An old prescription. I know these drugs. All too well. Uh-huh. Attends, 41 ans, 53 kilos. Putain, bah, elle a intérêt à faire. Elle a pas plus d'un mètre cinquante, hein, parce que sinon elle est. Elle est, comment on appelle ça? Rachitique. C'est ça, Izumi. Non, ce serait plus passionné si c'était un simp. Non? T'imagines, en réalité, là, tu glisses. T'es comme un con. T'es mort. Comme une merde. Est-ce que c'est ça? Non, j'ai besoin. Mais y'a rien. Je peux rien en faire. Qu'est-ce que... Oh mais t'as le con. Je crois que mon esprit a failli mourir. Crise cardiaque. Tout va bien. Violent là. Hop, un zombie. Resident Evil. This thing isn't a razor, it's guilt, shame, regret. J'avoue, j'ai pété. Relâchement de sphincter. Ah, j'ai peut-être, je vais l'utiliser pour ouvrir les pots peut-être. Cet outil. Voilà, faut que je me brûle.
Ah, c'est à moi de descendre. Yeah, that was disturbingly satisfying. T'as kiffé, moi j'ai kiffé aussi. Ah mais je suis revenu là, ok. Ah mais alors attends, du coup oui. Faut que je regarde dans la réalité. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est... Par contre dans la salle... Faut que je me focalise sur, le monde physique. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. C'est quoi ça? Hein? Utiliser la souris pour trouver le point de souvenir. Le point de souvenir. Ta. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. The care in her voice. Clearly, he was more to her than just another patient. D'accord. Et dans cette réalité là... Ah ok, il y avait une espèce d'énergie en fait tout à l'heure. C'était ça en fait. Une espèce d'énergie... On n'en voit rien, ok. C'est quand même très stylé hein. En termes d'ambiance... on reconnaît ce qu'ont fait les Layers of Fear. Ah bah John Cut là il a raté le seul jumpscare du jeu. Alors du coup la fleur on va la placer, il va se passer quelque chose. D'accord. Par contre il y, il y a un souvenir ici, je ne peux pas l'exploiter. Ah attendez. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. D'accord. Par contre, ils sont très grands, non? C'est moi qui est très petit. Parce que là, concrètement, je fais 1m40 quoi en fait. C'est ça? Le vieux pervers. Ah ouais. Il a quand même donné une, un tournesol. Un vieux pervers, ouais. En tout cas, c'est un vieux pervers qui a du style. Hmm.
C'est joliment dit, Enfoirousse. Toi aussi, tu es poète. En fait, c'est toi le vieux pervers. Je t'ai reconnu. Je suis poète. De quoi? Y'a rien ici. Bon bah c'est parti. Je sais pas où on va mais on y va. Wow, wow, wow. C'est marrant, on pourrait mettre le focus que sur les passages, vous savez, du mauvais côté à chaque fois. Et on pourrait dire, bah vous avez vu, ce jeu, en fait, il est nul. Les objets, on les voit pas. On pousse des trucs dans le vide. Des assets à déconne. Faudrait trop faire le journaliste, vous savez, react de moderne, là, vous savez. Qui n'a de journaliste que de nom et qui met 10 sur 10 à The Last of Us 2. Et oui, je dénonce. Moi, je suis là pour dénoncer, là. Je suis pas là pour... Ah, attendez, là, un peu... Oh, mais il y a un symbole. Non, c'est juste qu'il y a, il y a du journal dessus. Du coup, là, on peut y aller. Je fais un peu le tour, là, pour moi. Julien Chier. Julien C. Ah, et là j'ai fait le tour, du coup je suis de l'autre côté, c'est ça. Il y a que 10 FPS. Ouais, ça a du mal à. Ça a du mal à rouler, ouais, ouais. On pourrait l'améliorer, on pourrait tenter. Si je me mets en médium, pour voir. Non, je dirais pas 10 FPS, là on est. Je pourrais essayer de bloquer à 30 pour voir. Parce que là je lui demandais 60, mais bon, il n'y arrive pas. Concrètement. Si on bloque à 30, qu'est-ce qu'il dit? Là, il a bien pris en compte. C'est pas plus fluide, hein. Non, ça va, c'est pas... C'est pas injouable, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Après, ça peut déranger, quand même, l'œil. Par contre, le... Alors, attends, on va faire des tests. La synchro verticale, on peut regarder. Il y a un truc que j'avais activé tout à l'heure là. C'est ça. Le LPV. Le LPV déjà. C'est bizarre, je la vois pas là, la synchro verticale, non. Elle est là. Ah, ça a changé quelque chose sur sa veste, j'ai l'impression, non? J'ai retiré l'effet. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que ça change rien. Hein. Le jeu, il est quand même optimisé avec le HUC. Hein. Même graphiquement, finalement, ça n'a rien changé vraiment.
passer ici. Ouais. Mais à quoi ça sert? J'ai pas d'énergie ici? C'est bloqué, c'est ça. Après, il est possible que je puisse pas aller si loin que ça, en fait, avec mon corps astral. Il est possible que je puisse pas dépasser une certaine limite entre mon corps physique et mon corps astral. Alors, le problème, c'est que si j'ouvre ça, je vais me faire tuer. J'ai pas assez de bouclier, là. Je sens que je vais me faire niquer. Voilà. Ouf. On s'est sorti, mais c'était limite. Hein. Wow. Là, il faut attendre un peu que ça revienne. J'aurais peut-être pas dû foncer en fait. Salut Taishivin, ça, si je t'ai pas dit bonjour. Peut-être pas dû foncer dans le tas là. Recrambling history. T'as le journal, il est devenu du carton quoi. La fille ivre sur la gauche. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant. Ce serait très marrant que quelqu'un me, tu sais, me spot et fait, mais c'est quoi cette folle? C'est presque terminé. Le bâtiment principal dépasse mes attentes. Et il ne reste plus qu'à terminer les parties moins évidentes de la station. Cet endroit est vraiment parfait, isolé, paisible, loin des regards indiscrets. C'est ce qui s'appelle se cacher à la vue de tous. Ça n'a pas été une mince affaire pour les persuader de nous laisser rester là. Par chance, je sais être très convaincant en cas de besoin. Au fait, je crois que j'ai enfin trouvé... Je vais l'appeler Niwa. Ça, c'est quelqu'un qui a construit les lieux. Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Manager, huh? Marianne! Oh, Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. All right. Notre Thomas. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice.
Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Ouais, après ça alterne, John. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait ça alterne, donc pourquoi pas. Mais en effet, ouais, une gestion peut-être manuelle au lieu d'être d'une gestion auto, c'est de l'écran de gauche et de l'écran de droite. Ah, attendez, on va tester un dernier test. On va tout mettre à faible, on va bien voir hein, si ça améliore la fluidité du jeu. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. Eh, il est pas fluide mon jeu? Il est pas fluide mon jeu là? Alors je sais pas qu'est-ce qui fait que ça rend le jeu pas fluide. Mais là on est en 60 images par seconde. Bah écoutez, on va jouer comme ça. Je vais quand même essayer de voir la synchro V. Je suis pas sûr que ce soit ça qui bouffe. Je ne pense pas. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Ouais, ça aurait été peut-être plus pertinent. Ouais. Il y a des jeux comme ça, vous savez, comme Soul Reaver avec deux univers en même temps, où on peut switcher de l'un à l'autre. Excellent d'ailleurs, hein, Soul Reaver. J'espère un jour hein, une version. Grand opening, une version HD. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Ouais, bon, on peut pas vraiment voir si c'est du 60 vraiment en vrai. What the hell happened here? Je suis pas en train de faire une course dans un couloir. Ah. Someone's been using it. Ouais, non, torche. C'est pas un jeu bon. Là, qui sont en 30 ou en 60 FPS, on s'en fout quoi. Pas un jeu. Ça va se voir. Too small to fit a door. Tiens, ça c'est pour l'accroche un peu, ouais, la... My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently to call me. Burn marks, broken glass, and is that salt? C'est vrai que les croix sont rares, même si on est en 60 fps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Affaire, 3h, lever, ne pas éteindre le réveil. 3h15, traitement. 3h30, inspecter le sentier forestier. 4h, aller à l'hôtel, faire le tri dans les papiers. 5h, avancer dans les recherches, développer les photos si le temps le permet. 7h, inspecter le bureau, les livres. 9h, aller voir elle. C'est, en fait, il y a quelqu'un apparemment qui s'appelle... Thomas, mais est-ce que c'était lui qui m'a contacté? Vraiment. En fait, au début, j'ai cru qu'ils avaient envoyé quelqu'un ici pour récupérer les documents ou... There we go. Enfin, je vais mettre le chat à la place du... Ce qui sert à rien. Ouais, mais vu que ça, des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Comment ça, je peux pas la modifier? Ah, attendez. Il y a une histoire d'horaire. Mais attends, je peux rien faire là pour l'instant. Je suis pas sûr que c'est un rapport. Don't turn off that alarm clock. Je peux pas aller à 3h du matin pour voir. Pourquoi je peux pas la modifier? C'est pas ça, c'est qu'en fait, surtout que ça nique les performances. Si ça niquerait pas les performances du jeu, tu vois, y aurait pas de soucis. Mais en fait, ça nique vraiment les performances. Ouais, j'avoue que ça peut accrocher un peu. Ouais. Si ça niquait pas les performances du jeu et que c'était opti, y aurait pas de soucis. Ah, mais je suis enfermé en plus!
elle dessine vraiment mal. Hein. C'est... Si c'était pour m'aider dans mon énigme, ça m'a pas vraiment aidé. Et j'ai pas compris comment modifier le... Attendez, il y a un truc à faire. Avec l'horloge, ça c'est sûr. Oh. So he designed this whole place? Who are you, Thomas Rekovich? Thomas Rekovich. Bah, apparemment, il faudrait... C'est marrant parce que ça se voit plus à gauche que je suis en low. Comment je peux la bouger? Ah, ok, on peut reculer. Oh. There, an imprint. Is that Thomas? À 9h30. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Ah, oh, la meuf, elle a tout vu, elle a tout vécu. Non, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je peux interagir en fait. No. Don't do it. I can't. We must. Côté ici, ça se reconstruit. Oh. Attendez. C'est marrant. Ça, c'est stylé, hein. D'accord. Par contre, il y a une espèce de divinité là qui se construit sur le mur. Je sais pas ce que c'est. I can feel. Something's wrong. It's coming. Je sais pas ce que c'est que ce truc là, on aurait dit un phénix. Ah oui, putain, je la vois plus l'horloge. There. Looks like a passage. De passage là, enfin de sens. Ah, ça redisparaît derrière. Looks like I'm in for another dive. Gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. J'avoue que la réverb elle est bonne, non?
Je regarde de temps en temps parce que je suis curieux, je veux voir si dans l'autre salle il se passe des choses. Mais j'ai pas l'impression. Ok. Le câblage. Je peux y aller ? Ah merde, je suis bloqué par... Ah bah non, je suis con. Je suis bloqué par l'armoire. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Il faut retrouver l'énergie. Sinon, on peut pas y aller. Je sais pas, il y a un truc là au sol, là, je comprends pas. Pas d'énergie pour l'instant. À moins que... Je pense pas que je puisse lui prendre son énergie à lui. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas. Voilà. Attends, je vais voir par rapport à ce que lui disait. I'm so lost without you. I don't know if I can do this, but enough. Get it together. Je suis toujours de passer de l'autre côté. Je comprends pas, ça passe pas. Ah, ça me montre où ça va. Let's see if it worked. Ça me montre où ça va. C'est marrant. Attends, est-ce que ça ouvre ? Est-ce que ça ouvre ce qu'il y a derrière l'armoire ? Non ? Non ? Non, c'était pour ouvrir la porte fermée ? Je pense pas. Attends, qu'est-ce qu'on a débloqué ? J'ai pas tout compris. Dans le mur comme ça, c'est venu jusque là. Bien. Oh, gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. Je peux checker chaque millimètre jusqu'à qu'il y ait un rond qui apparaisse pour me dire ah t'as vu il y a un truc à il y a un truc à toucher. Ah mais faut que je fasse ça. Putain quel con. Ça je vais l'oublier hein. Okay. Let's get the rest of me in there. Ça je vais l'oublier. On l'a utilisé une fois dans le jeu. Pourquoi je me suis mis en jeu.
Ça, je vais l'oublier parce qu'on l'a utilisé une fois dans le jeu. Et bon, bah, deux fois maintenant. Wow! Quelle mousse là! I'll never get used to this. Nope. Doesn't work. Ça faisait de la photo? I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Okay, I know how this works. I need three liquids to develop the photo. Ça rappelle des mauvais souvenirs dans d'autres jeux, ça. Light 5 secondes. Don't forget about the red light. Attends. Quoi? Ah, comme le mec, il a peint une lampe là spéciale, il est obligé de faire ça avec la lumière de la lampe du plafond. Wow. C'est un peu de la merde. Ça c'est du stop, j'ai vu. That's one. Two more to go. To be a photographer. N'oubliez pas votre stop fixateur. Votre fixateur. Ah, il y a un beau symbole au sol. I could sense something stirring behind that symbol. Oui, ça va bien. Like a gust of wind moving a curtain. Ça va bien se passer. Se renforce, je le sens qui s'insinue, qui envahit mon esprit. Il veut sortir, il ne doit pas sortir. Je refuse de le laisser faire, et au pire, je... Non, je vais trouver un autre moyen. Ok. Ça présage rien de bon, ça. Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Pricing the supernatural. Die, motherfucker! Oh, on le fait très bien dans Project Zero. Hope he's not using it as a textbook. Hammer of Witches. Le marteau des sorcières. D'accord. This should come in handy. Il y a un truc là. Par contre, je me suis bloqué tout seul. Shit! Sadness? This isn't funny. Sadness? Ce n'est pas sadness. C'était une petite voix comme ça. Keep it together, Marianne. Let's see what's in here. Okay, that's all of them. Looks like there's a tray missing. Okay. Ah bah si, elle est là, la lampe. Bon, on va mettre l'arrêt. Des photos compromettantes. Sadness, c'est la cousine de Fragile dans Death Stranding. T'es sérieux? Ça existe dans... Merde, putain, j'ai mis fixateur. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va le faire un instant là. Donc d'abord, je prends ça. Attends, je revérifie. On s'en fout, vas-y, on va essayer. Vous vous rappelez des... de l'ordre? Parce que si vous vous rappelez pas, on va niquer la photo. Illuminé. Bon, de toute façon, dans les trucs de Kojima, il y a toujours... je sais pas si vous vous souvenez d'MGS3, c'est la fête... C'est la fête du string. Hein. On affronte Fear, on affronte. Ah, attends. Et parce que là, il y a écrit 2. Là, il y avait écrit quoi, le fixateur 3. Bon, j'ai fait de la merde, mais en gros, le multigrade, c'est en premier. 1, 2,
3. Tac. Ok. Ensuite, c'est le fixeur. Shit, merde. Ah putain. Need to dip it in the right order. Shit. Heureusement qu'ils ont fait plusieurs photos. De la même photo. Ce gars, j'aurais niqué une photo là. J'y étais presque. Photo infinie, c'est ça. Mais c'est assez cool parce qu'on voit la photo se développer au fur et à mesure, on n'est pas sûr de ce que c'est. Est-ce que ce soit fini? Putain, c'est une photo d'elle? Non. J'espère pas, sinon c'est glauque. Ah! Houston, on a un problème. Allez, Polaroid, c'était très impressionnant. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette photo? Cette image. C'est Poltergeist? What the fuck is this? Caméra inversée. Merci. Je te remercie pas la caméra qui s'est inversée. Oui bah merci Yoyi. Si la caméra s'inversait pas dès qu'il faut courir. Ça c'est un classique des jeux de l'époque avec les caméras fixes où on te demande de courir alors que tout s'inverse dès le premier écran. Si c'est Thomas, on a perdu. C'est ni un humain, ni un fantôme, mais une gargouille, c'est vrai. Wait, don't go. Mais c'est dans l'esprit, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est... Oh putain de merde! Balèze. Ne me laisse pas, non mais laisse-moi tranquille. Naked. Oh c'est chelou! Le discours est chelou! C'est DSK, au secours! Au secours, DSK dans ce hôpital! No. Non mais c'est un nouveau point de gameplay en fait. Fucking figures.